journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, lancement hier à Thiéviers d'une unité de transformation agroalimentaire. L'objectif est de permettre aux jeunes entrepreneurs togolais d'avoir une utilisation partagée et à moindre coût des infrastructures nécessaires à la transformation des fruits et légumes. Finale du concours des meilleures productions médiatiques sur le civisme fiscal. 4 médias, à savoir la presse en ligne, le Clic, Radio-Canal FM, Radio Azur d'Amiens, le journal La Symphonie ont reçu le premier prix. Et puis sport football, les coupes africaines font leur grand retour ce week-end pour le compte du deuxième tour. Il s'agit de la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération. Radio-Lomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Deux audiences hier à l'Assemblée nationale. La présidente Yawa Djibodi Tchegan s'est d'abord entretenue avec le nouvel ambassadeur du Nigeria au Togo, Julius Adeboyale Adesina. Les discussions ont porté sur les questions de développement et de coopération bilatérale entre Lagos et Lomé. Écoutons l'ambassadeur Julius Adeboyale Adesina. I came in to see Madame Speaker on a courtesy call. Je suis venu rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale et avec elle nous avons discuté des possibilités de revitaliser les relations qui existent entre le Togo et le Nigeria. Et j'ai rencontré une panafricaniste. J'ai beaucoup aimé sa manière de voir le développement entre nos deux pays. Et je viens au nom du président Buhari pour remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur Sozinna Nyasimbe, pour sa vision de développement panafricaniste, de faire de la CDAO une zone de développement. Ensuite, j'ai discuté des possibilités de voir comment est-ce que nous allons permettre à nos deux peuples de travailler ensemble. Je suis venu aussi apporter un message de mon pays par rapport à la création de la zone CDAO. Comment la CDAO a été créée, on le sait tous, c'est grâce à la vision des présidents togolais d'alors et de l'île du Nigeria. C'est pour moi une opportunité de venir échanger avec les autorités du pays dans quelle mesure nous allons ensemble mettre nos efforts pour le développement au niveau de la CDAO. Is a greater partner, a more enduring partner with Nigeria. We both founded ECOWAS. La présidente de l'Assemblée nationale a ensuite échangé avec le représentant résident du PNUD au Togo, Ali Oudia. Ce dernier est allé remettre des équipements visioconférence à l'Assemblée nationale. Ces équipements composés d'écrans, PCDU, de claviers, caméras et supports mobiles électriques sont estimés à 40 millions de francs CFA. Ce don se situe dans le cadre du projet Renforcement des institutions de la République. Ali Oudia, représentant résident du PNUD au Togo. Le PNUD a un projet important sur le renforcement des institutions togolaises, dont l'Assemblée nationale. Et dans le cadre de ce projet, nous avons, dans les échanges avec l'Assemblée nationale, identifié un certain nombre de besoins avec Madame la Présidente, qui en termes d'équipement informatique, mais en termes aussi d'améliorer le travail collaboratif au sein du Parlement. C'est pour ça que nous avons acquis beaucoup d'équipements qu'on va mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour permettre aux députés et aux parlementaires de pouvoir faire leur travail. Face à la presse, Ali Oudia a indiqué que les questions de renforcement de capacité des parlementaires et de développement ont fait aussi l'objet de discussions avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous retrouvons Ali Oudia. Nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de choses, mais comment aussi renforcer les capacités des parlementaires dans tous les domaines. Mais aussi, le plus important, c'est de voir comment le PNUD et le système des Nations Unies va accompagner la mise en œuvre de la stratégie d'orientation de l'Assemblée nationale. En plus de ça, avec Madame la Présidente, vous savez, elle est très passionnée de développement, mais surtout de développement des communautés. Et ça, c'est fondamental pour le travail que nous faisons. Elle a demandé à ce que le PNUD puisse voir avec l'Assemblée nationale comment on peut avoir des actions à fort impact au niveau des communautés. Et nous vous le disions en titre, une unité de production de jus d'ananas et de transformation de tomates en purée a été lancée hier à Thiéviers dans le Zio. Financée à hauteur de 30 millions de francs CFA par la GIZ, ce projet va permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir une utilisation partagée à moindre coût des infrastructures nécessaires à la transformation des fruits et tomates. Comment est née cette initiative? Saouba Gbadamassi Mivedor, directrice générale du FAIEJ. La genèse, en fait, de cette initiative, le Centre de ressources d'artisanat de Zio a reçu du Papea Imoa un lot d'équipements de transformation il y a quelques années. Malheureusement, ces équipements
n'ont pas pu être optimisées. Donc dans le cadre de la collaboration entre les deux ministères, le ministère de l'Artisanat et le ministère du Développement à la base, il y a eu une convention de collaboration qui a été signée pour pouvoir actualiser les équipements et la GIZ a complété les équipements par la mise en place de nouveaux équipements, ce qui a permis de structurer un centre de ressources de production pour les jeunes entrepreneurs spécialisés dans la transformation des produits locaux. Cette unité de production agroalimentaire permettra également d'appuyer le potentiel de création d'emplois pour la jeunesse. Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Adapter nos choix, innover en permanence pour apporter des solutions concrètes et durables aux défis que rencontrent les jeunes dans leurs activités économiques est une préoccupation partagée au plus haut niveau de l'État. Ainsi, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes met en œuvre sans répit différents mécanismes, programmes et projets adaptés pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le développement d'infrastructures et l'aménagement d'espaces dédiés à la jeunesse. Faut-il le dire, dès lors que notre pays a fait le choix d'une politique d'inclusion sociale et économique, centrée sur la satisfaction prioritaire des besoins des communautés et des populations à la base, les énergies se sont fédérées pour promouvoir la consommation locale et dynamiser la création d'emplois dans le secteur agroalimentaire. Et en parlant toujours des jeunes entrepreneurs, ils se sont retrouvés hier en visioconférence pour échanger et partager leurs expériences. C'était dans le cadre du 110e numéro de Jeudi Jose qui avait eu pour thème « Entrepreneuriat des jeunes face aux défis du consommer local ». L'objectif est de montrer aux jeunes entrepreneurs les différentes stratégies à adopter pour rendre visibles leurs produits. Ayao Philippe Awaga, directeur associé du cabinet Synergie. Quand on veut créer une entreprise, c'est pour répondre à des besoins. Ce qui est un souci, c'est qu'on veut proposer une solution par rapport à ce souci. Et ensemble, on va trouver la solution pour ce souci. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Quand je deviens entrepreneur, il y a un certain nombre de choses en termes de gestion comptable, par exemple, ou commerciale. Donc, on manque d'outils de gestion de ce qu'on fait. Les besoins non financiers doivent être mis en avant en termes de formation, en termes de compétences, en termes de technicité et de la maîtrise de ce qu'on fait et de ce qu'on propose. Le concours de meilleure production médiatique sur le civisme fiscal a connu hier ses lauréats à Lomé. Co-organisé par l'OTR et l'Observatoire togolais des médias OTM, cette compétition vise à impliquer les médias dans les questions de la fiscalité. Pour cette première édition, 37 médias ont participé au concours. Reportage Aimé Souglima, présentation Nathalie Paneke. Déterminant du civisme fiscal, c'est le thème sur lequel les productions médiatiques ont porté. Au total, 37 médias, dont 14 de la presse en ligne, 13 des radios, 9 de la presse écrite et une télévision y ont pris part. À l'issue du concours, la presse en ligne Le Clic, la radio Canal FM, le journal La Symphonie et la radio Azur Danier ont été primés dans la catégorie Premier Prix. Augustin Aquet, Premier Prix catégorie presse en ligne. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis des organisateurs de ce concours. En tant que Togolais et journaliste, c'est notre premier devoir d'informer le public, de l'amener à comprendre ce que c'est que le civisme fiscal et son utilité dans un pays tourné vers le développement durable. Pour le deuxième prix, le journal en ligne Togo Top News, la radio Nana FM et la voix du plateau sont les lauréats. Essozola Matana et Pascal Lossou, respectivement de Radio Azur et Canal FM. J'ai produit sur le civisme fiscal, l'importance de payer ses taxes. Je suis heureuse, je suis contente, mais en même temps, je me dis que c'est aussi un défi parce que il faut quand même chercher à améliorer ce que nous avons fait et ce prix nous permettra quand même de nous outiller davantage pour améliorer aux prochaines éditions s'il y en a encore. Je pense tout simplement que c'est la joie qui nous anime parce que nous avons eu le premier prix à l'heure de ce concours des déterminants et fiscaux. J'ai construit un reportage sur l'essentiel de ce qui est fait avec notre fiscalité, ou du moins ce que nous donnons comme argent.
Les vainqueurs du premier prix ont reçu une attestation et une enveloppe de 300 000 francs chacun, alors que ceux du deuxième prix ont eu une attestation et une enveloppe de 200 000 francs chacun. Docteur Anoumou Amekouji, président du jury. On n'a pas eu beaucoup de positions primées, c'est parce que les 37 soumises, finalement, à peine on a primé 8 productions. Donc la plupart des productions, malheureusement, ne sont pas de véritables productions journalistiques. Par exemple, le genre reportage n'est pas complètement maîtrisé. L'objectif de ce concours est de mettre au centre des médias la question du civisme fiscal. Fabrice Pechezi, président de l'OTM. Nous disons merci à l'Office togolais des recettes qui a accepté de nous accompagner dans ce projet. C'est vrai que nous aurons souhaité une participation beaucoup plus grande. C'est une première édition. Nous espérons qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus d'engouement autour de ce concours qui a pour objectif d'amener les journalistes à s'intéresser beaucoup plus aux sujets liés au développement, à se former eux-mêmes sur certaines thématiques précises, notamment celles liées au civisme fiscal. Rappelons que le concours a été lancé le 3 mai dernier. Fin hier à Lomé de la troisième rencontre régionale des institutions foncières nationales pour la sécurisation des droits fonciers communautaires en Afrique. Au terme de 3 jours de travaux, les représentants des institutions foncières ont formulé des recommandations pour garantir une gouvernance foncière responsable et une protection des droits fonciers communautaires. Patrick Kipalou, directeur programme Afrique de l'initiative des droits et ressources. Il a été recommandé un renforcement des moyens et des stratégies de partage d'informations et d'expériences entre les institutions, entre les pays. En dehors de ça, il a aussi été remarqué pendant les discussions qu'il y a un déficit énorme dans le financement de l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de lois foncière dans nos pays. Donc, il a été recommandé à nos États de pouvoir revoir ou s'assumer ou bien prendre les devants dans les financements effectifs de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des lois foncières. Mais aussi, il est très très important de nous rassurer dans nos pays que les femmes ont un accès effectif aux fonciers. Et pour cela, il nous faut des politiques et des lois qui permettent et qui encouragent la participation des femmes dans les différents processus de prise de décision dans la gouvernance foncière, mais aussi d'assurer que les femmes peuvent avoir accès facile aux fonciers dans nos pays. Au-delà de ça, d'autres recommandations ont touché la question de la décentralisation. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'élection présidentielle a lieu dimanche prochain au Cap-Vert. 7 candidats sont en lice pour succéder au président Jorge Carlos Fonseca après 2 mandats. Le petit archipel lusophone est reconnu pour sa stabilité démocratique. Afghanistan, des explosions se sont produites aujourd'hui à l'heure de la grande prière dans une mosquée chiite de la ville de Kandahar dans le sud du pays. Un attentat suicide selon un responsable taliban. Selon une source médicale, au moins 32 personnes ont été tués et 53 blessés. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Reprise progressive des activités culturelles au Togo au menu de l'agenda culturel du concert live à Gogazo à l'Institut français du Togo, du théâtre du Festival international des arts de la Seine à Niamey et l'exposition d'œuvres d'art et la 4e édition internationale du conte, l'art et l'oralité. Geneviève Pognon. La 4e édition du Festival international du conte, l'art de l'oralité se tient du 21 au 24 octobre prochain à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les accroches de GNEA, c'est le nom de l'exposition d'œuvres d'art qui se déroule du 15 octobre au 15 novembre prochain à Abidjan. Autre sujet, la 15e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin FESTED 2022 lance un appel à candidature jusqu'au 30 décembre prochain. Plusieurs activités seront au programme du spectacle, du tourisme, des concerts et de la table ronde. Parlons toujours des arts de la scène. La 13e édition du Festival international des arts de la scène de Niamey se tient du 22 au 27 novembre prochain. 8 pays participeront à ce grand rendez-vous culturel pour 6 créations. Plusieurs activités sont au programme, notamment des spectacles, des formations, des rencontres professionnelles, du marché artisanal, du bal poussière.
des dieux éphémères, c'est l'intitulé du théâtre de l'écrivain ivoirien Yann Aka qui sera représenté les 13 et 20 novembre prochains. Et puis, ce vendredi 15 octobre, à partir de 20h, vous êtes invité à un voyage entre la France et le Togo, entre Nantes et Alaoubé, à 60 km de Lomé. À Gogazo, un concert live à l'Institut français du Togo. C'est la rencontre de deux cultures qui puisent l'une dans l'autre pour en créer une nouvelle hybride. La rencontre de deux musiques, le gazo, musique traditionnelle du pays Évé, et les musiques électroniques françaises. L'entrée est libre et gratuite. L'événement est organisé dans le strict respect des mesures barrières. Et puis hommage à feu à Tina Noviti, Digaglo et Mouvi Le Costaud, fondateur des 3A, association des amis artistes du Togo. Une veille funèbre a lieu ce vendredi. Elle sera suivie d'une soirée artistique à partir de 19h au centre aéré de Serfer, non loin de l'aéroport de Lomé. Sport football, après les sélections nationales, c'est au tour des clubs de prendre le relais sur le continent ce week-end. C'est dans le cadre du deuxième tour de la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération. Au plan national, à quelques jours du match contre Sao Tomé, les filles de Tomé Tikaï se disent être très motivées. Edo Assignon. Battre Sao Tomé dans la double confrontation, c'est l'ambition première des joueuses de Tomé Tikaï. Pour ce faire, elle lance un appel au public sportif togolais. Oujikou, ma fille, attaquante des Éperviers d'âme. L'objectif, c'est de mouiller le maillot et de gagner la double confrontation contre le Sao Tomé. L'ambiance est très bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Okay. Que le public soit derrière nous, qu'il nous pousse plus haut pour qu'on puisse gagner les matchs. On a besoin d'eux. Quoi. Même si tactiquement certains mouvements restent à coordonner, la sélectionneur est contente de l'atmosphère qui règne au sein de l'équipe. Le travail se passe dans une bonne ambiance. Les filles sont motivées et beaucoup de choses positives sont à retenir, a déclaré Tomé Tikaï. Pour rappel, les Éperviers d'âmes jouent en déplacement leur homologue de Sao Tomé Principe le 20 octobre avant de les recevoir le 26 octobre au stade de Kégué à Lomé. Le deuxième tour préliminaire des Coupes africaines se joue ce week-end pour le compte des matchs aller en Ligue africaine des champions. Le Raja Casablanca sera opposé au tombeur d'Asco de Kara au premier tour LPRC-OLS du Libéria. Les Égyptiens d'Al Ahly jouent en déplacement. Les Nigériens de US Gendarmerie, Étoile du Sahel de la Tunisie affrontent APR du Rwanda. En Coupe de la Confédération, l'ASFAR du Maroc défie GS Kabylie d'Algérie. RC Berkane se mesure à US Guerdane. Pour finir, Ballon d'Or 2021, les anciens joueurs du Real Madrid se mobilisent pour soutenir l'attaquant de la Maison Blanche Karim Benzema. Après Fabio Cannavaro, c'est au tour du Brésilien Ronaldo d'apporter son soutien à l'international français. Sans aucun doute, mon candidat pour le Ballon d'Or est Benzema, a posté le Brésilien sur son compte Instagram. Rappelons que l'édition de cette année aura lieu le 29 novembre au Théâtre du Chapelet à Paris. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel qui a eu le lancement hier à Thiviers d'une unité de transformation agroalimentaire. L'objectif est de permettre aux jeunes entrepreneurs togolais d'avoir une utilisation partagée et à moindre coût des infrastructures nécessaires à la transformation des fruits et légumes. Et puis finale du concours des meilleures productions médiatiques sur le civisme fiscal. Quatre médias, à savoir la presse en ligne, le Clic, Radio Canal FM, Radio Azur Danier et le journal La Symphonie ont reçu le premier prix. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg.